On est bien. Ne bouge pas. Je ne bouge pas. On va partir avec Bernadette. Bernadette, notre Bretonne de France 3 Bretagne, qui nous emmène. Alors là, visiter, comment dire, un personnage assez étonnant, hein, pour le coup. Oui, absolument. Alors, on va visiter un petit morceau de ces 2750 km de côte bretonne, puisque c'est cette semaine qu'on en parle, de ces côtes bretonnes. Alors, c'est vrai que là, je suis sûre que cet été, par exemple, à Quiberon, il y a des peintres, comme on dit, sur le motif, qui peignent des aquarelles, avec un petit strapontin, un chapeau de paille, j'allais dire au chaud. Le peintre qu'on va voir, c'est pas du tout son truc. Ah non, il y va, lui. Lui, si c'est pas difficile... Il n'y va pas. Il s'appelle Ricardo Cavallo. Il est argentin, installé à Saint-Jean-du-Doigt. Ricardo Cavallo, arrivé à Saint-Jean en 2003, travaille avec méthode d'une façon singulière. Pouvoir travailler à l'extérieur, avec du vent, avec de la pluie, etc. Et évidemment que je ne pourrais pas descendre dans les lieux où je vais travailler avec une énorme étoile. C'est impossible. Je mets ces dessins... Je les passe ici, à la grande surface, avec du fusain. J'arrête les traits avec de l'encre et des chines. Après, je numérote derrière. Et les premières tours sont jouées. Mer belle ou agitée, soleil ou nuage, peu importe. Par tous les temps, Ricardo descend à Kerdrein. Kerdrein, une crique, ou plutôt un chaos de roches qui fascine le peintre. Kerdrein, le motif de son installation à Saint-Jean. Quand on descend près de la mer, ça demande une énergie, ça demande beaucoup d'attention. À chaque fois, à chaque moment, on peut tomber. Ça peut être très dangereux. Ça aussi, cette espèce de climat d'urgence, des dangers, est très important. Capital même. La mer se trouve au centre de tout. C'est elle qui donne le souffle, même à ces rochers. L'idée de qu'elle submerge ces rochers, à chaque fois on sent que ces rochers sont en train de respirer, sont des trucs vivants. Ce n'est pas la même chose des rochers dans les déserts comme ça que ces rochers qui sont couverts par la mer. Ici tout change. C'est-à-dire que peut-être des journées avec des lumières sublimes seront très rares. Voilà, par exemple. Donc il faut être là au bon moment. On peut imaginer qu'on se réunisse avec l'instant. Au bout de son pinceau. C'est ainsi que pour Ricardo Cavallo, 1000 morceaux de rivage font de grands tableaux. Voilà les peintures absolument extraordinaires de Ricardo Cavallo. Et Thomas me disait que tes enfants aussi peignent beaucoup, ils dessinent. Ce sont des futurs artistes. Oui, ils regardent autour d'eux et ils aiment bien reproduire ça sur des carnets. Alors je suis le seul à la maison à pas faire ça, mais eux le font. T'as peut-être autre chose à faire à bord. Enfin, je sais pas. Hein. Thomas Coville avec ses tours du monde, ses transats, t'as pas tellement de temps de dessiner. Hein. T'es plutôt sur les winches. On essaye de se prendre un peu de temps pour effectivement réussir à s'extraire et à profiter et à jouir du moment qui passe quand même. Essayons de se rapprocher des moments d'Yann. Ce que je trouve absolument extraordinaire dans la vie de Thomas Coville, c'est qu'en effet, il jouit de la longueur du temps. C'est sa passion. Et en même temps, la longueur du temps lui sert à battre des records de vitesse. Ça, c'est quand même c'est très classe. Hein. Ouais, on en parlait d'ailleurs avec Yann hier, hein, de ce temps qui nous échappe. Mais croyez-moi, ici, il y a une douceur de vivre, bien entendu. Et comment, dans cette région qui est si belle, ce Quiberon, cette baie qui nous accueille, comment ne pas céder à la contemplation et avoir l'envie de reproduire, évidemment, de garder en fait toutes ces images qui nous traversent les yeux. On est juste dans la beauté ici, mes amis.